Allô, bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Voilà, aujourd'hui, nouveau jour, nouveau sujet. Et comme vous savez, sur Elder au Japon, il y a toujours du bon, ok? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler un peu de l'orientation après le baccalauréat. C'est un sujet très, très, très important et j'attendais maintenant ce moment-là pour faire cette vidéo-là. Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, en tout cas ceux qui me suivent, les résultats du bac sont sortis maximum un mois. Au Cameroun, c'était peut-être environ un mois. Au Sénégal aussi, parfait. Pareil. En Côte d'Ivoire, ça fait une semaine, je pense, que c'est sorti. Et après la fête, après les réjouissances, il y a l'orientation. Et ça c'est un sujet qui fait veiller beaucoup les parents qui ont les enfants qui ont eu le baccalauréat, ou les orienter. Parce que l'orientation après le bac, c'est vraiment important. Parce que si tu es mal orienté, c'est toute ta vie qui c'est dead quoi. C'est toute la vie, c'est là, c'est ce que tu as choisi que tu vas faire pour le restant de ta vie. Si tu as mal choisi, tu es mort. Et là, je suis à la station, il y en a un petit coin pour se poser tranquille dans la station, là, au relax. Il me fait super chaud actuellement au Japon. Donc, vous verrez les gens beaucoup passer derrière moi et tout et tout. Voilà, avant de parler de la vidéo d'aujourd'hui, d'abord, je voudrais dire un grand, grand merci à notre idole nationale, Didier Drogba, qui a fait une vidéo pour féliciter tous les bacheliers. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien de sa part. Et avoir une idole, une icône nationale comme ça qui prend quelques minutes de sa vie, de son temps pour dire féliciter les bacheliers, c'est pour vous montrer l'importance que vous voulez des bacheliers dans un système, dans un pays et tout et tout. Petit message pour féliciter mes jeunes bacheliers et mes jeunes bachelières qui ont travaillé dur toute l'année, les années précédentes bien sûr, pour vous encourager, pour vous féliciter. Bravo, belle réussite. Et aussi un petit message pour encourager ceux qui ne l'ont pas eu, ceux qui sont déçus aujourd'hui. Accrochez-vous, battez-vous, demain sera à vous, demain ça sera votre tour. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre. Je vous embrasse tous, que Dieu vous bénisse, bonne continuation, fêtez avec modération, attention, hein, c'est important. Allez, je vous embrasse tous, ciao. Donc voilà, félicitations au bachelier. On a vu en Côte d'Ivoire un bachelier qui a souffert, qui a fait le buzz sur la toile. Et voilà, il a dit qu'il poussait les brouettes dans le temps pour pouvoir financer ses études et tout et tout. Et le voir comme ça en train de jubiler, il a donné des frissons à tout le monde dans le pays. Et vraiment, félicitations à celui-là parce que c'était pas facile parlant pour lui. Voilà, il avait non seulement la pression de l'école, mais aussi la pression de la vie sociale, travailler en même temps, partir à l'école et pendant les vacances, bosser dur. Et ce genre de personnes, moi, quand je le vois, ça me fait un pincement au cœur, ça me fait plaisir. En même temps, ça montre qu'on peut tous arriver. Donc, il faut bosser dur, les gars. Ah, ouais, pour le coaching, voilà, ceux qui ont besoin de mes services, le coaching, comme vous savez, ce n'est pas gratuit. Coaching par rapport aux études, voilà, ça va commencer avec la bourse d'études au Japon et aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Mais là, on a augmenté un peu le champ, ça devient coaching pour les études en général. Il y a des parents qui me contactent là, par exemple, après le baccalauréat. Elder, est-ce que tu peux nous aider pour pouvoir orienter nos enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire, même si on ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu nous conseilles, même au local? Là, je vais prendre une puce comme ça après la vidéo pour ce téléphone-là. Ça sera ma puce pour le WhatsApp. Il y a beaucoup de parents qui veulent m'appeler directement pour pouvoir communiquer avec moi. Du coup, le téléphone, il est là, il y a pas de puce là-dedans. Je vais mettre une puce dedans, comme ça on pourra faire WhatsApp, vous pourrez m'appeler et puis communiquer. Donc le coaching, c'est pas gratuit, c'est payant parce que c'est de mon temps que je prends pour faire des recherches pour vous et puis vous conseiller et puis vous trouver les bonnes solutions. Donc c'est pas gratuit, ok? Voilà, ceci étant dit, on va passer au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'orientation, ok? Vous savez que l'orientation après le baccalauréat, c'est vraiment, vraiment important. Parce que le baccalauréat chez nous, c'est le premier diplôme, on va dire, universitaire. Vous sortez avec. Quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, on vous demandera si vous avez le baccalauréat. Voilà pourquoi, dans le système français, le baccalauréat est vraiment, vraiment, vraiment important. Quand vous l'avez, c'est comme vous avez déjà éliminé 50% des problèmes humains. C'est pas trouver 50% des solutions pour l'avenir. Voilà, donc ne pas l'avoir, c'est compliqué.
c'est à cause des bruits comme ça là, j'aime pas faire les vidéos dehors parfois. Dans mes vidéos, je vais vous faire profiter du Japon, de ce que je vois, de ce que j'entends. Et quand je fais des vidéos, qu'il y a un motard qui passe comme ça avec sa moto, ça gêne. Là, je vais tourner légèrement la caméra pour vous montrer ce que je vois. Et puis, voilà, je suis à la station, comme j'ai dit. Et voilà, je suis un peu à l'étage là, c'est à ça que ça ressemble, comme ça. Avec des passagers qui sont venus aussi se relaxer à côté ici. Et ma vidéo, comme j'ai dit, c'est un sujet très important aujourd'hui, donc je veux pas du bruit. Ça m'arrangerait pas s'il y a du bruit dans cette vidéo-là. Du coup, ce qu'on va faire, je vais finir mes courses, me poser tranquille à la maison, et puis continuer. Hein. Allô les amis, là je suis arrivé, je suis à la maison. On va enchaîner sur la vidéo tout à l'heure. On n'a pas trop le temps, donc on enchaîne. Attends, j'enlève le chapeau, ça sera plus beau. Voilà, plus joli comme ça n'est-ce pas. Donc je pense que cette vidéo là c'est un peu longue, mais bon, on n'a pas le choix parce que il s'agit d'un sujet très très important, et il s'agit de l'orientation de nos petits frères, de nos cadets, des gens qui ont eu le bac, qui sont en train de jubiler, de nos enfants et tout comme ça. Donc on va commencer. Donc le premier point par lequel j'aimerais commencer aujourd'hui, le premier point aussi, le premier conseil je veux dire, c'est de savoir choisir ses filières. Il faut savoir choisir les filières qui sont beaucoup plus pratiques. Il ne faut pas aller juste regarder la beauté du nom d'une filière et puis vous orienter dans cette filière-là. C'est très, très, très dangereux. Par exemple, tu prends une filière en Côte d'Ivoire, je pense que ça existe beaucoup dans beaucoup de pays africains, criminologie. Criminologie, ok. Vous avez une licence en criminologie, concrètement. Quand vous sortez de la licence en criminologie, vous pouvez vous faire quoi sur le terrain? Pratiquement, c'est quoi qu'on fait? Donc, vous ne regardez pas la beauté du nom ou bien parce que il y a un tonton qui est commissaire, qui a fait criminologie, et donc vous aussi, vous n'allez pas faire criminologie. Tonton qui est commissaire, il a dû passer un concours. Mais ça, c'est vraiment mon point numéro 2. On arrive déjà sur les filières pratiques. Quand vous prenez une filière pratique, c'est une filière qui peut vous, vous permettre d'exercer, qui peut vous permettre, on va dire, même avec vos manques d'expérience, même avec votre jeune âge, les gens peuvent vous dire, ok, viens faire un stage chez moi. Tu vois quelqu'un que okay, tu as eu une licence en criminologie. On te met où dans la société pratiquement? Tu travailles où dans? Tu joues quel rôle? Donc, il ne faut pas regarder la beauté des noms des filières ou bien les exemples des gens qui ont fait cette filière-là et qui sont passés par d'autres chemins, qui occupent une position aujourd'hui, qui va vous faire choisir pareillement. Il faut que ce soit très, très bien réfléchi. Donc, voilà, on revient. Le premier point, c'est de choisir les filières pratiques. Imaginez que vous arrêtez en licence, ou en BTS, ou en DUT de cette filière-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pratiquement? Qu'est-ce que vous pouvez trouver même un stage juste en entendant le nom de votre filière? Si ça ne vous permet pas de faire dans vos pays, ce n'est pas la peine d'aller vous inscrire là-bas. Si vous êtes camerounais, que la filière criminologie, par exemple, c'est un exemple, criminologie, ça a une débouchée avec une licence en criminaux directe. Je vous encourage à faire ça. Mais s'il n'y a pas de débouché direct, vous ne voyez pas un stage, vous ne voyez pas un petit CDD avec la licence d'une filière, ce n'est pas la peine d'aller. Je ne vous conseille pas ça. Deuxième point, il faut éviter les filières où on doit obligatoirement passer un concours d'entrée à la fonction publique pour travailler. Ça, ça marchait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais là, les administrations en Afrique sont remplies. Les gars, quand ils commencent à travailler, là, c'est 40 ans d'activité, 50 ans d'activité. Il n'y a pas retraite anticipée à la fonction publique. Il y a non, mais les gens ne prennent pas. Du coup, vous venez d'avoir au bac en 2017, en 2018, en 2019. Vous partez vous inscrire dans une filière, ne sais pas moi, juste parce que vous voulez avoir la licence ou bien la maîtrise dans cette filière-là. Vous partez passer un concours. Il y a un truc qui ne cloche pas, les gars. Tu t'en vas t'inscrire dans une filière où pour travailler. Il faut passer un concours. Alors qu'on sait comment le concours se passe chez nous en Afrique. Donc vous connaissez un XY qui est là en 2019, là, qui a une fonction qui vous promet que si vous avez la licence, il peut vous aider dans un concours. Ok. En 2022, ça c'est si vous avez fait que 3 ans pour avoir la licence. Beaucoup de choses ont passé. Il y a les élections, il y a les rébellions, il y a les blablabla, il y a les changements de position, direction. Vous avez la licence en criminologie, vous avez la licence en psychologie, vous avez la licence en sociologie, la licence, je ne sais pas moi, dans toutes ces filières. Et puis le monsieur qui vous a promis, là, n'est plus là. Vous faites quoi? Donc vous êtes rentré dans une filière pour partir composer un concours. Je ne sais pas si c'est clair dans votre tête. Quelqu'un qui a fait son BTS, je ne sais pas moi, en électromécanique.
et vous avez votre licence en psychologie. Quand il sort, vous venez déposer vos deux dossiers dans n'importe quelle entreprise. Le nom électromécanique, par exemple, mais électrotechnique de son BTS, de son DUT, ça a plus de force que pour vous. Maintenant, vous devez chercher encore à avoir un concours. Chercher à trouver l'argent pour pouvoir soudoyer les gens pour passer un concours. Ça sert à quoi de passer, faire 3 ans et puis mettre tout son espoir sur un seul concours. Bon, même s'il y en a plusieurs concours, mais comment vous pouvez vous inscrire, vous orienter dans une filière en espérant 3 ans plus tard passer un concours? Il y a un truc qui cloche, les gars. Donc, moi, je conseille pas quelqu'un à rentrer à l'université juste parce que après 3 ans, il pourra passer un concours. C'est un très très mauvais choix. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en 3 ans que même quand vous avez ça, c'est pas évident que vous ayez le concours. Donc pourquoi vous orienter dans ce type de filière-là? Quand tu es orienté dans une filière, je sais pas moi, histoire de l'art. Tu as une licence en histoire de l'art. Dans les pays développés où la culture, l'art sont importants, ça compte. Mais chez nous en Afrique, là-bas, histoire de l'art. Ok. Licence en histoire de l'art. C'était quoi ton délire? Ok, tu veux rentrer, tu veux travailler où? Tu veux quoi? Ressources humaines, archiviste, tu veux faire quoi? Donc, tu es allé t'inscrire en histoire de l'art pour venir passer un concours pour rentrer à la fonction publique, pour être archiviste ou bien pour devenir professeur d'histoire ou bien pour devenir quelque chose en art plastique. Comment on peut s'orienter? Allez passer un concours, les gars, ça passe pas dans ma tête. Après, vous allez m'expliquer, chacun de nous a son vécu, vous allez m'expliquer, et puis on va essayer de se comprendre. Mais là, je peux pas orienter, je ne devais jamais donner ce conseil à un parent d'inscrire son enfant dans une université, dans une filière, juste en espérant que dans 2 ans, 3 ans, il puisse aller passer un concours. C'est difficile après de se réinsérer, en fait. C'est ça le problème. Il faut aller dans les filières qui vous permettent, même avec une licence, je précise, une licence, un BTS ou un 2IT, de pouvoir commencer quelque chose. Il faut que ça soit pratique. Voilà. Troisième point pour les parents. Il y a beaucoup de nos cadets, des enfants qui ont le bac assez tôt. 17 ans, 18 ans. Moi, j'ai mon bac à 17 ans. 18 ans maximum, à 19 ans, les gens ont le bac. Il y a des parents qui disent que non, c'est un peu trop tôt, il est un peu trop jeune pour aller faire un BTS. Il va finir son BTS à 19 ans, ils ne vont pas l'embaucher. Il va finir son BTS à 20 ans, on ne va pas trouver de boulot. Donc, ils envoient les enfants à l'université. Aïe, c'est quel raisonnement ça? Non, il faut que ça stoppe. On ne raisonne pas comme ça. C'est pas parce qu'il est trop jeune qu'il faut l'envoyer vieillir à l'université. Quand c'est que le système de nos universités dans nos pays sont très lents. Actuellement, en 2019, il y a certains pays, certains, comment on dit, UFR, certains départements où les gens sont à la rentrée 2017. En 2019, les gens sont à la rentrée 2017. Donc, tu vas prendre ton enfant parce qu'il est trop jeune à le pomper dans un système comme ça, où ils sont 2 ans déjà en arrière. Donc, quand lui va rentrer, ok, il va s'inscrire. Il peut plus aller quelque part, il est là, il est bloqué. Il est fixe. Donc, ses aînés qui sont là en 2018, mais 2017, doivent passer avant que lui commence. Donc, on le blague 2, 3 cours, les 3 petits cours rapides, et puis après, pouf, c'est bloqué. Donc, on dit non, il y a les compos, il y a les grèves, il y a les trucs. Donc, parce que l'enfant est jeune, donc vous voulez le faire vieillir à l'université. Ça, c'est les raisonnements dépassés. Il faut pas orienter vos enfants sur cette base-là aussi. C'est fini, ça. Voilà. Quand l'enfant est jeune, moi, j'ai mon bac à 17 ans, à 19 ans, j'ai mon diplôme d'ingénieur. Et pardon, mon BTS à 17 ans, à 22 ans, j'avais mon diplôme d'ingénieur. Les gens trouvaient que j'étais trop jeune. Je partais là. Ah, c'est quel ingénieur qui est bébé comme ça? Mais c'est pas grave. Je partais faire mon stage. J'étais bébé. Il y avait un gros diplôme, mais j'étais petit. C'est mieux que, on va dire, avoir un petit diplôme puis très vieux. Et puis, c'est compliqué. Donc, le troisième point, c'était ça. Il faut éviter d'envoyer les enfants à l'enfer, à l'université, sous prétexte qu'ils sont trop jeunes pour finir, de vous abonner, de partager, de mettre en commentaire. Chacun a son vécu. Chaque filière a son vécu. Chacun a ses expériences. Tout à l'heure, je vais prendre l'ordinateur. Et puis, filière par filière, je vais essayer de vous expliquer mon opinion, pourquoi je vous conseille telle filière ou je vous conseille pas une autre filière. Donc, ça sera pour tout à l'heure. Donc, ouais, abonnez-vous d'abord. Dernier conseil encore, je pense que c'est le conseil numéro 4 pour les parents. Numéro 4 pour les parents. Voilà. Quand c'est votre premier, votre aîné qui vient d'avoir le baccalauréat, quand c'est le premier de la famille, de vos enfants qui vient d'avoir le baccalauréat,
C'est cher, c'est clair. Mais faites vos violences et puis mettez le premier dans les conditions de pouvoir très vite finir. Ça veut dire quoi? S'il faut payer une université privée pour lui, pour qu'en 3 ans il ait une licence une filière techniquement claire, il faut payer l'université là. Il faut le faire. Parce que quand le premier a commencé à faire même un petit stage, quand on finissait l'école, on ne pensait pas directement à travailler aussi. C'est pas évident. Il y a tellement on va dire, de chômage, il y a tellement de personnes qui ont déjà fini les diplômes qui n'ont pas retrouvé le boulot. Je pense à un stage d'abord. Donc, pour revenir aux parents, il faut faire un effort pour que l'aîné très rapidement finisse son cursus universitaire. Une licence, une université privée, il n'y a pas de souci, mais il faut vous saigner un dernier sacrifice. Parce que quand lui, il sort de l'école, vous êtes un peu déchargé. C'est pas lui qui va payer l'école des autres, hein. Ça j'ai déjà dit ça dans une des vidéos. Mais au moins le fait de savoir que le premier est déjà sorti de ce tunnel-là, ça vaut relax. Même que pendant les vacances, les deux autres, mais le deuxième, il peut aller en vacances chez son grand frère qui fait un stage quelque part. Mais il peut partir là-bas, ça vous décharge un peu. Mentalement, psychologiquement, le fait d'avoir son premier fils, son aîné, qui a fini l'université et qui est en train de se chercher, ça met tout le monde à l'aise. Les petits frères aussi ont envie de vite finir, de bosser pour finir, pour pouvoir sortir. Mais quand l'aîné est en train de stagner, il tourne comme ça, vous l'avez mis à l'université, il va 3 ans, 4 ans, son petit frère s'est passé que son grand frère devient, il est à l'université, mais on voit que dalle. Les gars, ça pèse sur tous ceux qui sont en bas et ça pèse sur vous, les parents. Donc, quand c'est l'aîné qui a le baccalauréat, arrangez-vous, trouvez-lui une bonne orientation, sacrifiez-vous encore 1, 2, 3 ans. Et permettez à ce que cette année-là finisse tranquillement. Et vous verrez que tous les autres vont suivre. Donc ça, c'était le conseil pour les parents. Donc j'ai donné trois conseils pour les parents dans cette petite vidéo-là. J'ai trois conseils pour les nouveaux bacheliers eux-mêmes. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce truc par rapport à l'orientation. Et puis encore, merci à tous ceux qui me suivent. Si vous pensez que c'est long, vous pouvez stopper là. Moi, je vais continuer. Et puis je vais décortiquer, on va dire, filière par filière. Essayez de prendre chaque filière et puis vous expliquer. Ça sera un peu long, mais voilà, ça sera le cas. Je vais faire deux parties, ok? Je vais couper cette vidéo-là et puis essayer de faire deux parties. Partie 1, partie 2. Comme ça, je prends le temps dans la partie 2 pour parler de chaque filière. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Et puis, plus tard, faire la partie 2. Voilà. Et puis on va se dire ciao ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Et puis quand vous vous orientez, faites très très attention à votre orientation. Parce que dans 20 ans, dans 15 ans, c'est ça qu'on va vous regarder pour vous juger. Vous n'avez pas oublié de faire l'informatique comme moi. Il y a tellement tellement de filières qui payent mieux. Mais mon meilleur changé pour moi, là, faire autre chose. Ciao. Bye bye. On s'abonne. Et puis on se dit à tout à l'heure pour la version numéro 2. Ciao.